Les multinationales et les institutions financières ont généré un ordre de pouvoir qui est très puissant. Il est en fait si puissant qu'il échappe à tout contrôle, y compris le leur. C'est-à-dire qu'on est face à un régime de pouvoir qui génère son propre cancer et qui, les crises financières en témoignent, se nuit à lui-même tout en s'imposant. Et évidemment, nuit à toutes les collectivités qui sont touchées par lui. On pourrait rêver à des lendemains qui chantent et s'imaginer que, au moment de telles crises, ce pouvoir s'effondre de façon à susciter des formes d'organisation collective sur un mode sensé, spontané, tout en travaillant pour que prévalent des principes tels que la justice sociale et l'équité les soucis écologiques dans des nouvelles formes d'organisation qui s'annoncent à moyen ou à long terme. Il y a à craindre que des tenants d'autres idéologies fascisantes, par exemple, profitent des crises dans lesquelles nous sommes et que nous traversons et qui continuent de s'annoncer pour imposer des formes de pouvoir beaucoup plus rétrogrades. Nous en sommes à réfléchir dans ces paramètres-là aujourd'hui.